Lumos, hello hello, bienvenue pour l'ouverture de la 21e case de notre calendrier de l'Avent des idées cadeaux. Pour l'idée cadeau du jour, j'ai eu envie de vous présenter l'œuf d'or. Je me décale comme d'habitude pour vous laisser des photos qui illustrent ici. L'œuf d'or est au prix de 89,99€. Il est taille réelle, il brille de mille feux, il est magnifique. Son seul défaut, c'est qu'il ne s'ouvre pas. Malheureusement, Noble Collection s'est dit « Non, s'ouvrir, ce serait peut-être un petit peu trop !» Non, on veut tout ce qui s'ouvre, cet œuf d'or. Mais l'objet est quand même magnifique. Vraiment, je vous invite à le voir de vos yeux. Il est vraiment superbe et je pense que c'est une très 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 belle idée cadeau. Éventuellement, dans un budget un petit peu plus petit. Et si vous voulez que l'œuf s'ouvre, il existe le pendentif œuf d'or qui, lui, s'ouvre. Mais il est Rikiki, il est vraiment tout petit mais il est très très mignon et il est magnifique. Lui il arrive dans une boîte comme le médaillon de Salazar par exemple. Enfin bref, il arrive dans cette jolie petite boîte. Lui il est au prix de 59,99€. Je vais vérifier. C'est bien ça, il est bien à ce prix là. Comme d'habitude, vous avez des liens qui vous envoient directement sur le site des 4 maisons pour y commander ce que vous désirez. J'ai vu sur le site que le pendentif œuf d'or était noté hors stock, mais je l'ai vu de mes yeux à la boutique, donc n'hésitez pas peut-être à donner un petit coup de téléphone ou à aller sur place directement, ça vous permettra de profiter des jolies décorations de Noël qu'ils ont fait pour l'occasion. J'espère que cette idée vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous êtes déjà bien à jour pour vos cadeaux, si tous vos cadeaux sont déjà faits ou si vous êtes un petit peu très très beaucoup en retard, voilà, parce que là ça commence à urger, hein. On est le 21 quand même, donc il faudrait se remuer un petit peu le popotin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est aussi dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas louper les prochaines ouvertures et pour ne pas louper ce qui se prépare en janvier, parce que je vais sortir quelques petites vidéos assez sympas. Vraiment, j'ai très très hâte de vous filmer et de vous montrer ça. Et comme je pense que je vous ai tout dit, eh bien je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut salut, Nox.